Donc la première chose, d'abord, c'est remercier évidemment Georges pour son travail. Et aller très rapidement sur ce qu'a dit Madame Kaufmann, nous soutenons la question de la résolution pour le Parlement, c'est le fait que le Parlement puisse s'associer à un ECI et prendre des résolutions sur certains textes pour appuyer cette question. Donc ça, c'est important. L'âge ramené à 16 ans. Le fait qu'on puisse avoir, puisqu'il y a la Cour de justice qui s'est prononcée, des initiatives sur les discussions des traités internationaux en cours, puisque la Cour de justice s'est prononcée là-dessus. Monsieur Terry Cabras souhaiterait également qu'on puisse éventuellement permettre les ECI relatives à des amendements ou traités, puisque ça n'est pas interdit par le texte. Pour le reste, et vous voyez que je suis très très rapide, qu'on essaye d'avoir une transparence et, comme s'y était engagé Monsieur Timmermans, une motivation à la fois à l'origine et à la fin très claire de la Commission lorsqu'elle n'accepte pas une Commission. Voilà. Et qu'on ait également la possibilité d'utiliser tous les langages officiels et ouverts au sein de l'Union européenne pour ne pas sélectionner à la base. Voilà. Je ne peux pas être plus rapide, Madame la Présidente.